BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs du jour qui vous parleront des livres d'ailleurs et des livres d'un autre temps, de demain ou du passé. En plus de l'émission, n'oubliez pas évidemment tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho pour retrouver tous les programmes dans le détail, toute la référence des livres et des extraits de l'émission. Émission que vous retrouvez dans son intégralité aussi sur YouTube et le site BFM Business. Et tout de suite, place aux auteurs. Ils sont partout dans nos vies, depuis plus longtemps qu'on le croit, certes, mais ils n'ont jamais pris autant de place, y compris dans ce que nos vies ont de plus intime, et ils n'ont jamais non plus autant suscité de craintes et de fantasmes. Ils, ce sont les algorithmes, bien sûr. Comment est-ce qu'ils fonctionnent vraiment? Quelle est leur vraie valeur ajoutée? Qu'est-ce que l'humain peut leur confier? Sur quoi doit-il absolument garder la main? Bien sûr, évidemment, sur la capacité à décider, à choisir notamment. C'est pour ça qu'il n'aura jamais été aussi nécessaire de travailler notre capacité à prendre de bonnes décisions, autrement dit, à faire preuve de discernement. Là encore, comment aiguiser notre discernement, comment le travailler? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions avec nos deux invités du jour. D'abord, Luc de Brabander. Bonjour. Bonjour. Luc, vous êtes philosophe d'entreprise, philo du BCG Anderson Institute, cofondateur de l'agence de communication Cartoon Base, et vous publiez Petite philosophie des algorithmes sournois chez Erol. Et puis François Baer, notre deuxième invité, Saint-Cyrien, ancien officier. Il fonde en 2019 l'école du discernement et publie Le discernement chez Arthège. François Baer, bonjour. On commence avec vous, Luc de Brabander. Une brève histoire des algorithmes, c'est possible, même si les algorithmes sont beaucoup plus anciens que ce qu'on pourrait croire. Les premiers algorithmes sont grecs, ça date de l'Antiquité. On se posait la question, est-ce qu'un nombre est premier? Ben, ils avaient déjà imaginé des algorithmes. Donc c'est une vieille, vieille histoire. Bien sûr, avec les machines... Alors, mais est-ce que ça fonctionne toujours pareil, j'ai envie de vous demander? Mais par définition, un algorithme, c'est une succession d'étapes qui amène nécessairement un résultat. Nécessairement. Donc si vous le faites tourner trois fois, ça va être trois fois le même résultat. Si la machine est plus puissante, eh bien ce sera plus puissant, mais ce sera toujours le même résultat. Les règles de base ne changent pas. Alors, vous dites un algorithme, c'est de la logique et des mathématiques. Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis mathématicien de formation et j'ai découvert la logique beaucoup plus tard en étudiant la philosophie. En fait, la logique est une science qui, par accident, s'est retrouvée dans le cursus de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'Aristote l'a mise au point, parce qu'il en avait besoin. J'ai découvert la logique à 40 ans, mais je me suis dit, mais c'est pas normal. J'aurais dû apprendre ça à 14 ans, comme le théorème de Pythagore. Et en fait, l'histoire de l'informatique a 2000 ans. Et c'est d'une part les mathématiques, Platon, de l'autre part, bon, la logique, Aristote, que pendant 1500 ans, on a essayé de fusionner, ce qu'on appelle le rêve de Leibniz. Aujourd'hui, on sait à Gödel que c'est impossible, mais il y a toujours de la mathématique et de la logique, mais ce n'est pas la même chose. Alors, je ne résiste pas à citer l'exemple que vous donnez justement pour montrer que la logique réserve des surprises. Hein. L'exemple que vous donnez, c'est, bon, si j'ai 18 ans, je peux voter. Si j'ai 18 ans, je peux conduire. Donc, si j'ai 18 ans, je peux voter et conduire. Et puis, vous dites, ce raisonnement, il semble valide, sauf que vous en proposez un deuxième. Si j'ai 3 euros, je peux acheter un journal. Si j'ai 3 euros, je peux acheter un café. Donc, si j'ai 3 euros, je peux acheter un journal et un café. Eh ben non. Eh ben non. Eh bien, voilà. Et en fait, vous mettez le point. La logique, c'est l'étude des raisonnements corrects. En fait, de manière simple, c'est de dire la logique, c'est l'étude de voir si on utilise le mot « donc » de manière correcte. Et on constate, non, très souvent, on ne le fait pas de manière correcte. Et voilà, c'est tout ça qui est l'histoire de l'algorithme. Alors, l'IA générative, ChatGPT, qu'est-ce que ça change? Ah, ça change énormément de choses. Parce que
En fait, il y a 40 ans, je travaillais déjà à l'intelligence artificielle. Dans un livre, j'ai écrit, il y a 40 ans, j'en parlais déjà. Mais il y a une énorme rupture. Parce qu'à l'époque, on faisait une hypothèse. C'est qu'il était possible de comprendre les règles du langage, les règles de la pensée. Et que donc, si on avait toutes les règles, on les mettait dans une machine, la machine parlerait, la machine penserait. C'est un cul-de-sac. On a abandonné cette hypothèse. C'est une rupture totale. On sait qu'on n'y arrivera pas. Mais ce qui se passe, c'est que la puissance des machines est telle qu'on peut remplacer, le volume d'informations est tel qu'on peut remplacer la logique par la statistique. Effectivement, si on a des milliards de pages, eh bien, on donne l'illusion de la logique. Mais en fait, c'est de la statistique. Donc, c'est une rupture totale. Et ça change tout. Et ça change tout. Alors, algorithme, pourquoi sournois ? J'ai cherché un adjectif. Parce que dans ma série, c'est le septième, j'ai toujours un adjectif. Puis je me dis, je ne voulais pas dire pernicieux, dangereux. Non, parce que je ne veux pas donner la moindre intention à un objet qui est un algorithme. Et j'ai regardé le mot sournois, il est parfait. Ne se dévoile pas totalement. On dit par exemple une maladie sournoise, c'est une maladie qui ne se dévoile pas totalement. Je trouvais que c'est parfait pour qualifier les algorithmes. Ouais, alors, la question c'est à qui ces algorithmes donnent-ils le pouvoir ? Parce que vous dites, finalement, est-ce que c'est vraiment une centaine de gens sur Terre qui profitent de ces algorithmes qui ont finalement une espèce de pouvoir absolu, quoi ? Je dirais, dans les faits, oui. C'est peut-être quelques centaines de personnes qui contrôlent comme énormément de choses. Et elles ne sont pas a priori mal intentionnées. Je crois que ChatGPT n'est pas malveillant, mais c'est non-veillant. Aujourd'hui, ChatGPT, pour moi, c'est une langue de bois. Mais ça pourrait devenir une langue de vipère dans des mains mal intentionnées. Donc, il y a trop peu de gens qui s'en occupent et ils sont trop loin et on ne les contrôle pas assez. Je ne veux pas leur faire un procès, mais nous sommes un peu en risque. Alors, Luc de Bramander, vous dites, ces algorithmes, ils permettent finalement de compenser notre ignorance par des lois statistiques, parce que le défi considérable auquel on se retrouve confronté, c'est que plus on accumule de la connaissance, plus on accumule de la méconnaissance. C'est-à-dire que plus on découvre de la connaissance, plus ça ouvre des champs de plus en plus impossibles à cerner. Ça, ce n'est pas neuf. Je dirais, à la Renaissance déjà, quelconque nouvelle découverte en ouvrait de nouvelles questions. Mais tout est exponentiel aujourd'hui. Et quand on regarde les chiffres, il y a un an, ChatGPT était inconnu, en fait. C'est la majorité. Aujourd'hui, OpenAI vaut environ 8 fois Renault. Je crois que c'est 80 milliards. C'est des chiffres tellement gigantes. Donc, tout est exponentiel. Donc, des choses qui existent depuis longtemps, comme ce que vous venez de dire, l'ignorance comment, eh bien, ça va de plus en plus vite. Et donc, on va changer de pratique. On doit. Alors, quand la connaissance croît un peu, l'ignorance croît plus vite encore. Ben oui. Mais ça pose aussi un problème à la vérité. Ah, ça pose des tas de problèmes et probablement... Et donc, la question que vous traitez dans le livre aussi, c'est à un moment, finalement, qu'est-ce que le vrai, quoi ? Ah, la question, elle est aussi ancienne. Platon l'a déjà posée. Mais c'est clair qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, les outils de faux n'ont jamais été aussi puissants. Bon, il y a des exemples de faussaires dans l'histoire, mais un bon détective pouvait y arriver. Aujourd'hui, il n'est plus possible de détecter. Aujourd'hui, il y a des machines à faire du faux. Et donc, la réponse, c'est dans le livre de monsieur, le discernement, la pensée critique. C'est changé complètement. En fait, on revient à Socrate, parce que l'art de ChatGPT, c'est l'art du questionnement, c'est le prompt. Et qui a inventé l'idée du prompt ? C'est Socrate, l'art de la question. Et donc, moi, je suis très concerné par l'enseignement, surtout des adolescents. Bien, je crois que le discernement, c'est la pensée critique. Il n'y a plus moyen de contrôler ce qui se passe. C'est de l'autre côté, du côté de l'utilisateur, qu'il y a une posture qui doit être complètement différente. On ne doit plus avaler. Moi, j'ai TikTok, parce que ma petite fille m'a mis TikTok sur mon téléphone. Je regarde ça, et quand je vois que la moitié des enfants s'informent par cela, mais alarme, vraiment, il y a un effort gigantesque de la posture, vraiment, de la pensée critique. Vous avez une très belle citation de Paul Valéry, le mélange du vrai et du faux est énormément plus toxique que le faux pur. Voilà. Parce qu'il y a aussi l'indifférence. Aujourd'hui, il y a certaines personnes pour qui le vrai et le faux n'est même plus une question. Si c'est vrai, c'est faux, ça n'a plus d'importance. Donc c'est une espèce d'indifférence à la vérité qui vraiment, vraiment fait peur. Et ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs
Il y a de quoi vraiment avoir peur. Quelle est la limite des algorithmes? Parce qu'aujourd'hui, on se dit finalement, il y a même des travaux que vous citez, où cette espèce de d'illusion qu'on va finir par réussir à faire penser la machine toute seule finalement. En fait, le test de Turing, qui a mon âge, 48, en fait, 1948, il a donné un petit peu un mauvais chemin, puisque le test de Turing dit une machine est intelligente si elle paraît intelligente. Ça, c'est son test. Aujourd'hui, on y est. Et il faut inventer d'autres tests. Aujourd'hui, les machines paraissent intelligentes. Elles paraissent avoir des émotions. Elles imitent parfaitement les émotions, mais elles n'en ont pas. Et donc, on va devoir inventer de nouvelles formes de tests pour avoir de nouveaux paliers. Mais finalement, quelle est la question? C'est qui programme qui? Il y a 40 ans, je reviens, j'avais lu un livre sur l'éducation des enfants. Et la dernière phrase du livre, avec ordinateur, la dernière, c'était, au fond, qui programme qui? Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait faire quelque chose à l'ordinateur? Ou bien c'est l'ordinateur qui, par un message, fait en sorte que l'enfant bouge sa souris? La question est la même aujourd'hui. Qui programme qui? Est-ce que nous utilisons Internet ou est-ce qu'Internet nous utilise? Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous sommes plus utilisés qu'on le pense. Il faut remettre le conducteur à sa place, l'utilisateur à sa place. Mais est-ce que, à terme, l'intelligence pourra quand même devenir artificielle ou pas? Non. Non, je suis catégorique, parce que l'intelligence n'existe pas. Elle est multiple. L'intelligence est un concept qui a été étudié par les académiques, disons, depuis 200 ans. Et pendant un siècle, il était au singulier. C'est l'époque du quotient intellectuel. Et finalement, à cette époque-là, être bon en mathématiques était la condition sine qua non. Si on était bon en maths, on était intelligent. Sinon, on ne dit pas le contraire. Après la guerre, excellente nouvelle, on parle d'intelligence multiple. Émotionnelle, relationnelle, artistique, et même de multiples intelligences multiples. Et c'est excellent. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Patatras, on remet intelligence au singulier. Il faut se battre, on peut dire une intelligence, ou des, autant que vous voulez. Et c'est vrai, l'avocat peut se faire aider le militaire. Mais l'intelligence n'existe pas. Rien que l'humour, par exemple. Regardez l'importance de l'humour dans la vie. Une machine ne peut pas rire, ne peut pas faire rire. Donc non, je suis catégorique. Vous dites que l'intelligence artificielle générative et ChatGPT ne sont qu'un coup d'accélérateur foudroyant d'une révolution qui est loin d'être terminée. C'est quoi les étapes d'après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je crois qu'on n'a pas besoin de faire trop de prospectives pour prendre des mesures dès aujourd'hui. Il y a deux sortes d'incertitudes. Il y a l'incertitude de type 1 quand la question est dans l'air. Est-ce que Trump va être élu? Bon, quand la question est dans l'air, tout le monde y pense. Mais il y a d'autres incertitudes quand la question n'est pas dans l'air. Et donc là, le but n'est pas d'essayer de prévoir, mais de se préparer. Aujourd'hui, je crois qu'on peut ne plus essayer trop de prévoir. Il y a beaucoup de choses à faire rien que pour se préparer. Dans l'éducation, la justice, la médecine, partout. Le journalisme. Alors justement, vous l'avez dit, notre capacité à rester les maîtres, finalement, de cette intelligence artificielle dépendra de notre discernement. C'est l'objet de votre livre, Paul Bert. François Bert. Paul Bert, vous voyez, le lapsus, le évidemment. On doit vous le faire régulièrement. François Bert, le discernement, je viens d'en manquer, à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Ça veut dire quoi, ça, que ça, il suffit pas d'être intelligent pour décider? C'est en parfait écho de tout ce qu'on évoquait précédemment, magnifiquement. Si on reste sur cette accumulation de savoir dont on parlait, pour faire la guerre, vous prenez un docteur en histoire militaire ou un chef d'instinct? Pour traverser la jungle, vous prenez un botaniste ou Indiana Jones? Vous voyez? Ouais, j'ai plutôt tendance à prendre Indiana Jones. D'accord. Voilà. Et donc, voyez bien comment, et ça fait écho aussi à tout ce que vous évoquiez très justement sur les modalités d'intelligence. Moi, j'ai créé une méthode sur les personnalités depuis plus de 10 ans maintenant, où je dis on est tous, pour donner une image biblique qu'on retrouve un peu dans toutes les civilisations, on est tous prêtres, prophètes et rois. Mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Le prêtre, c'est un professionnel du lien, de l'interaction. C'est comme un médecin Mère Teresa. Qu'importe le sujet pourvu qu'il y ait une densité d'échange. Le prophète, c'est un professionnel du contenu. Ce que vous décriviez très bien sur le côté mathématique, etc. J'ai le savoir, donc je sais tout faire. Ouais. On revient à notre botaniste. Mais c'est l'expert-chercheur qui a l'intelligence du savoir pur, mais pas forcément contextuel. Et puis, il y a le roi. Lui, c'est l'urgentiste. C'est-à-dire que l'urgentiste, il est contextuel. Il passe son temps à réévaluer les choses. Et en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer,
d'où l'importance de travailler sur les personnalités. Et tout ce qu'on décrit vient aussi du type de personnalité qui nous gouverne. Et donc, effectivement, quand on a des leaders d'influence qui sont des purs cérébraux ou des purs émotionnels, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement le savoir soit complètement déglingué. Mais pour le point clé de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est le rapport au temps. Mais le, oui, c'est ça. Alors, mais d'abord, mais le discernement, vous le définissez comment ? Alors, je le définis de deux façons. Ouais. La finalité du discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, précisément. C'est un cerveau suffisamment autonome, plutôt que d'absorber ce que vous décriviez très bien, tout ce qui nous vient et d'être ballotté par les émotions. Et on voit une certaine jeunesse qui n'est que l'envie qui lui prend. Donc elle est perdue, parce qu'elle est ballottée d'une émotion à l'autre. Le discernement, c'est bien la capacité à dire « ça c'est grave, je vais concentrer mes efforts dessus, ça c'est pas grave ». Et la deuxième définition, en fonctionnement le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Et on revient sur la modalité d'intelligence. On croit que l'intelligence, c'est que être capable de savoir ou de spéculer. C'est d'abord d'écouter pour voir l'essentiel. Alors il y a deux points, moi, qui m'ont paru particulièrement importants. Vous dites... finalement, le meilleur chef, c'est pas celui qui va courir partout, c'est pas la pieuvre qui va s'attaquer à tous les sujets et qui va courir après tout, c'est au contraire celui qui va être capable finalement de choisir les sujets les plus importants et de laisser les autres de côté. Clairement, c'est-à-dire que ce que fait ce chef-là, c'est la bascule dans la réalité, c'est-à-dire dans le temps. Le contexte, c'est quoi ? Un contexte, c'est quoi ? C'est la réalité dans le temps. Voilà. Et voyez, je pensais à ça quand je vous écoutais tout à l'heure. C'est la, ce que j'appelle la troisième règle de la réalité dans mon livre. Ouais. Ce qui est juste dans l'ordre de la pensée, c'est ce qui est complet. Ce qui est juste dans l'ordre de l'action, c'est ce qui est simple. C'est pour ça que ce que vous disiez en disant l'accumulation de la connaissance devient de la méconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'elle nous perd. Par contre, la connaissance contextuelle, l'art d'un chef de trier pour dire voilà ce qui est essentiel et on va concentrer suffisamment d'efforts pour que ça reste dans la réalité, que ça entre dans la réalité, dans le temps, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ce que j'appelle passer de la carte au voyage, de la recension des possibilités à une route unique. Alors exactement. Et le deuxième point, mais vous avez déjà commencé à l'aborder, c'est le fait que finalement, on conceptualise trop, on donne trop de valeur à la réflexion, à la pensée, et donc du coup, on pense que c'est la bonne idée, parce qu'on pense qu'on l'a bien conçu. Exactement. Et sauf qu'on l'évoquait en arrivant sur le plateau, le premier mort de la guerre, c'est le plan. Ça ne se passe jamais comme prévu, comme disent les militaires. Et donc, ce qui va valider les choses, ce n'est pas la manière dont on les conçoit, c'est la manière dont on les réalise. Au passage, dans les formations au discernement que j'opère auprès de pas mal de cadres dirigeants, je leur dis quoi ? Une décision parfaite, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on mesure une décision dans l'action. Une décision parfaite, ce n'est pas une décision bien conçue. Si on décide de faire un restaurant ce soir avec tous les critères pour que ce soit parfait, le temps de trouver tous les critères et de les avoir combinés ensemble, il est 23h, on a l'estomac dans les talons, on passe une soirée pourrie. Il vaut mieux aviser le resto d'à côté, mettre toute son énergie pour faire en sorte que ce soit bien vécu suffisamment tôt, et là, ce sera une bonne décision. Alors, il y a une autre dimension aussi qui est particulièrement perverse, c'est cette accélération du temps qui, en fait, donne la sensation que la communication se fond avec l'action. C'est-à-dire que parce qu'on va communiquer, bah, ça y est, on pense que le problème est réglé, et Dieu sait si l'accélération du temps informationnel et le fait notamment de tous les médias modernes, et on est un peu responsable de tout ça, il faut bien le dire. Vous avez cette pression-là, et vous voyez, en plein changement politique, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est pas de la nouvelle communication plus sophistiquée, ouais. c'est de l'action percolée, de la communication restreinte. Hein. Moi, l'image qui m'était venue, vous savez, c'est il y avait eu ce suicide en début d'année, en septembre, je sais pas si vous vous rappelez, d'un jeune adolescent, l'ex-rectrice de Versailles à l'époque avait envoyé un mail, un courrier assez terrible à ses parents. Et elle avait dit, vous comprenez, j'ai plein de choses à faire. Quoi. Et on va dire, mais tu ne peux pas dire ça. Ton métier, c'est précisément de te concentrer sur l'essentiel. Et voyez bien qu'il y a et donc face à ça, qu'avait répondu la première ministre de l'époque, de dire, ah maintenant, il y aura saisine immédiate du procureur. Comme si le problème de l'autorité à l'école allait être résolu par ce module saisine immédiate du procureur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune capacité à dézoomer sur l'événement pour dire, il y a un problème de fond qui s'appelle l'autorité à l'école. Comment on va prendre le temps de la mettre en place et de concentrer ses efforts sur les priorités. Est-ce qu'il y a quand même une mécanique, une gymnastique du discernement ? Est-ce qu'il y a des exercices à faire pour être meilleur ? Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, moi, je fonctionne en trois temps, mais je vais répondre précisément à votre question. Déjà, se connaître, parce qu'on est plus ou moins naturel au discernement.
ce qu'on a vu dans les fameux moteurs de personnalité, de s'entourer, parce que justement, il y a des gens qui décident bien et vite à côté de nous. Donc, le premier levier, ce serait de s'entourer des bonnes personnes. Quand je vois Einstein en liberté dans une start-up, je lui trouve Indiana Jones précisément en numéro 2. Le troisième sujet, c'est le travail intérieur. C'est-à-dire que là, quand on réfléchit justement au fonctionnement de l'intelligence, je dis que le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Je vous donne un conseil très concret. J'appelle ça le jokari de l'évidence. C'est chaque fois qu'une décision nous taraude, être capable de défocaliser. Il faut faire pareil dans le ressentiment, dans une génération de ressentiment. Défocaliser, laisser reposer, laisser revenir plusieurs fois les choses. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voudrait que cette intelligence soit de l'ordre spéculatif, là où elle procède de l'écoute, chose que les gens ne savent pas faire. Ça veut dire se taire, ça veut dire couper ses écrans, ça veut dire être capable d'être seul, laisser s'imposer en soi l'évidence de ce qu'il y a à faire. Vous dites le discernement, c'est la troisième forme d'intelligence. C'est oui. Quoi les deux autres? Les deux autres, justement, si je prends Prêtre Prophète 3, il y a l'intelligence cérébrale et il y a l'intelligence relationnelle. Vous voyez, c'est un de mes chapitres clés, sortir du monde bipolaire. Aujourd'hui, il y a tous ce qu'on appelle les hard skills, les savoirs purs. Ouais. Il y a tous les savoir-faire émotionnels, les soft skills. On oublie qu'il y a pour moi une troisième modalité d'intelligence, qui est une intelligence hybride, qu'on pourrait appeler le savoir décider, qui est une intelligence qui procède du contexte. Si je le fais en plagiant Descartes... Et qui est donc improgrammable, en fait. Et donc improgrammable, voilà. Avec des règles, comme en tactique, oui. Mais improgrammable, exactement. C'est-à-dire que quand vous voyez Descartes, quand Descartes dit « je pense donc je suis », il fait un énorme lapsus. Il parle de tous les cérébraux, parce que les cérébraux, les prophètes, pensent que ça part toujours de la tête. Ils vont vérifier dans la réalité. Ça part de là. Les relationnels, eux, disent « j'ai interagi, donc je suis ». Vous voyez, au niveau médiatique aujourd'hui, il y a des gens qu'importe le sujet, pourvu qu'il y ait de l'émotion. C'est en ça que je dis, parfois en provoquant, que les médias sont des traders d'émotions. Ils cherchent de l'émotion à vendre. Que fait un chef? Que fait un roi? Il dit « j'écoute, donc je suis ». J'écoute le contexte, j'écoute la relativité des situations. Ou pour vous donner un exemple, si je vous dis que si Saddam Hussein et Kadhafi sont des salopards, assez facilement, vous me direz, oui, ils ont du sang sur les mains, on peut reconnaître ça. Si je vous dis, est-ce que le nazisme et le communisme ont fait des morts? Assez facilement, on va le reconnaître. On va parler des personnes, on va parler des idées. Maintenant, si je vous dis, est-ce qu'il fallait destituer Saddam Hussein et Kadhafi? Là, à tout le moins, on s'interroge. Mmh. On est dans la relativité des situations. Quand on voit le chaos qu'il y a en Irak, voilà. Le chaos qu'il y a en Libye, je ne suis pas certain que la décision s'imposait. Aucun algorithme ne pourrait la donner. Et aucun algorithme, bien mais sûr. Mais alors, justement... Moi, je rejoins complètement ça. Alors, oui, mais François Baer, quand même, dans ce monde qui est celui des algorithmes, dans ce monde qui est celui de l'intelligence artificielle générative de ChatGPT, comment on se comporte, justement? C'est quoi avoir du discernement dans cet univers-là? C'est quoi utiliser intelligemment ces outils-là? C'est la distance à la règle. Je me permets d'intervenir. En fait, on dit la même chose. Un algorithme, il fait une grève du zèle permanente. Il ne peut pas prendre une distance par rapport à ses propres règles. Regardez, si vous voulez paralyser un aéroport ou n'importe quoi, vous travaillez parfaitement. C'est complètement absurde, parce qu'on ne peut pas faire des procédures. Donc, le discernement, c'est une distance à la règle. Un algorithme ne peut pas le faire. Donc, ce qui nous rejoint, la nécessité de la distance aux algorithmes. Et pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, ça veut dire quoi? Si je fais une coupe de cerveau, un cérébral, la pensée cérébrale, en faire simple, il fait un aller-retour connaissance. On lui soumet un sujet, il sait ou il ne sait pas. Je dis que c'est les Lucky Luke de la décision. Ok? Un relationnel, émotionnel, il va prendre les choses juste par rapport à l'émotion. Je vous donne un exemple un peu rigolo. C'est le chef de section de guerre qui le matin dit à son capitaine « Écoutez, on ne le sent pas trop, ça pique un peu les balles. On a parlé au groupe, on ne le sent pas. » Il va juste être dépendant de l'émotion. Là où un chef, il va écouter l'ensemble des choses. Il va dire, oui, j'ai cette information-là. Oui, je sais que ma troupe a un moral pas terrible. Mais au vu de tous les autres éléments que j'écoute, même si, effectivement, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. Parce qu'en face, ils ont peut-être un moral pire. Et que c'est le moment ou jamais. Vous voyez, c'est donner aux choses une portée relative dans un contexte. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Luc de Brabander, Petite philosophie des algorithmes sournois, aux éditions Erol, et François Baer, Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. C'est aux éditions Artege. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.